Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la Nordschleife avec la W12. Je voulais tester ça, on va se tester ça tranquillement et nous allons partir directement sans plus tarder. On va partir avec les pneus rouges, voir si y a un petit setup quand même. On va se mettre avec le setup de base Medium Downforce. Qui est ici, voilà, ça devrait très très bien le faire. On va se mettre en pneu rouge et avec le halo transparent, c'est parti. Donc nous sommes sur e-racing, je l'ai pas précisé, mais je pense que vous le voyez, il n'y a pas de problème. Et Pit cette lane speed vidéo, limit is 60 km per hour. on va éviter de d'aller trop vite dans la pit lane, bien sûr. Cette vidéo va me permettre aussi de vous dire que ce week-end, je serai en live, eh bien, endurance sur ce même circuit. Alors, ce sera pas que la Nordschleife, ce sera le combiné donc avec le GP pour les 24 heures du Nürburgring Nordschleife. Donc vous avez le lien du Twitch en description. Alors le départ ce sera soit 13h, soit 17h, je ne sais pas encore. Donc du coup je me suis dit, on va tester cette voiture. Et bien sur ce circuit. Alors j'ai pas. Si je peux avoir. Voilà. Je voulais juste synchroniser la boîte. Voilà, on est parti du coup. On va faire deux tours avec cette voiture, voir ce que ça donne. Ça devrait être absolument indécent. Absolument indécent, je pense. Donc ça va faire une petite vidéo sympathique, je pense. Et en tout cas, si vous voulez rejoindre le live, qui va être un 24 heures, l'endurance que j'attends le plus hein, sur l'année, e-racing, clairement, et bien ce sera sur Twitch. Le circuit, du coup. 21 km, cette configuration, vous avez la carte en haut à droite, si vous voulez la voir, bien évidemment. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, un circuit absolument incroyable, qui se trouve en Allemagne, où les F1 ont roulé d'ailleurs, jusqu'aux années 70. Après, il y a eu le terrible accident de Niki Lauda qui ont bien heureusement arrêté cette folie. Les F1 sur ce circuit, ça a toujours... Ça n'a absolument aucun sens, mais il y a toujours des GT qui roulent sur ce circuit, c'est absolument insane. Vous pouvez voir hein, qu'il y a... ça n'a aucun sens, hein. C'est 21 km de pur enfer. Ça s'appelle l'enfer vert, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça se décrit comme ça. Oup. Ok, ça passe. L'enfer vert, c'est... Assez mythique comme circuit. J'essaie de me concentrer en même temps, c'est assez complexe. Même si je m'entraîne depuis pas mal de temps avec du coup la M4 GT3 avec laquelle on va rouler durant ces 24 heures. Ça n'a rien à voir avec la W12. Alors on est bientôt à la moitié du circuit. Je suis quand même curieux de voir. Le temps qu'on va pouvoir faire avec cette voiture, je pense qu'on va être dans les 5 minutes, un peu plus de 5 minutes je pense. On n'a pas la possibilité d'ouvrir le DRS bien évidemment, il n'y a pas de zone. Et on va rentrer dans un endroit assez mythique de ce circuit qui s'appelle le carrousel. Wow, au secours. Non! Eh bien, on n'est pas passé le carrousel. C'est pas grave, on peut reprendre. Alors, on fait burn les pneus. On va tenter de reprendre le carrousel. J'ai été un peu greedy, visiblement. C'est pas bien grave. Allez, go! Le carrousel avec une F1, je sais même pas si ça passe en vrai. Hein. Pour être honnête. J'arrivais comme un sac encore une fois. Mais c'est bon, ça passe. Allez, let's go et le. La partie du circuit, j'adore le plus, honnêtement. Regardez-moi ces enchaînements rapides. Bon, extrêmement rapide avec la W12, forcément. Je vais la perdre. Oh, regardez ça, c'est incroyable. Fabuleux.
Waouh. Ok. Je ne vois rien. Ah, c'est bon, je vois. Je pense que ça passe à fond, ce droite. Oh, alors oui, mais j'avais pas la bonne courbe. Oh, c'est indécent. Hein. Vraiment, c'est absolument indécent. Surtout cette partie, c'est impressionnant. Fabuleux, vraiment. Oh, ça passe à fond, je pense. Oui, effectivement. Bon, j'étais très mauvais sur la rage après, mais... Ah, deuxième. Le deuxième carrousel n'est pas passé non plus. Bon, ça va me permettre de reset la voiture pour avoir les pneus neufs pour le tour. On va se tenter un tour plutôt propre pour voir à peu près combien ça donne. Et pas facile, hein, honnêtement. Pas facile, pas facile. Les carrousels sont assez mortels. Hein. Honnêtement, c'est pas étonnant. Les carrousels font mal. Après, il faut savoir aussi que sur e-racing, il y a une composante assez importante qui est la température de piste. Vous pouvez la voir en bas à droite. Il y a marqué 39 degrés. C'est absolument énorme. 39 degrés. Je n'ai pas réglé la température de piste, donc tant pis pour moi. On va essayer de se faire le tour le plus rapide sur le Nordschleife. Je vais probablement être très, très calme hein, sur ce tour. Je vais probablement pas beaucoup parler. Je vais essayer quand même de faire le meilleur temps possible. Alors, du coup, on partira tout droit pour les 24 heures. C'est parti pour le tour. Voiture délestée ici. Bien évidemment, à fond ici. Le petit gauche-droite. On voit pas grand-chose. Hein. Je ne vois rien ici. Vous voyez pas le virage. Oh, ok. Première difficulté finie. On va être à fond pendant un petit moment. Ah, facilement à fond, même si on voit pas le virage. Heureusement que je connais très très bien le circuit. On va enlever le delta, on s'en fout. Voilà. Prochain gauche à fond. Puis la droite. Voilà, troisième était peut-être pas nécessaire. Une belle petite descente avant la remontée. Puis un gauche, droite, en haut. Normalement à fond ici, hein, sans trop de problème. Même avec la GT, elle passe à fond si on le souhaite. Ou les bonnes températures, bien sûr. Ouh, j'aurais peut-être pas dû monter sur le vibreur. On va avoir un gauche, puis un autre gauche. Le premier passe à fond. Puis un autre virage à droite, puis un autre droite. Ok, là, faut que je passe à fond, celui-là. Je me suis chié tout à l'heure, je crois. Ah, je ne passe pas à fond. Après, 39 degrés de piste, c'est énorme. Hein. Pour être honnête. On va voir un gauche, puis un droite qui va monter. Assez agréable à passer en GT, d'ailleurs. Ah, je freine très très tôt. Hein. J'ai mes points de repère de GT. Je me suis entraîné beaucoup d'heures juste avant de tourner cette vidéo, donc... forcément, j'ai mes points de repère de GT. Ce droite qui eh bien conditionne toute la ligne droite, toute la ligne courbée, on va dire, parce que ça va être à fond. Même avec une GT à fond ici, à fond, à fond, à fond, jusqu'à une épingle, ça va être à fond aussi, bien évidemment à fond ici. On va même repasser en 7 parce que la voiture galère là. À fond jusqu'ici, c'est fabuleux. On voit plus grand chose. Hop, un petit tir off. Le premier carrousel. On va y aller tranquillement, les potes. Là, on ressort du carrousel. Et là, la partie rapide que j'adore. Ma partie du circuit préférée.
Je ne vois absolument rien dans cette voiture. On ne fait que relâcher ici. C'est incroyable, vraiment. Pour ceux qui suivent mes lives iRacing, quand je joue à la W12, à chaque fois je dis que c'est incroyable le grip qu'elle a, c'est absolument fabuleux. C'est une voiture absolument magnifique. On ne voit rien. Heureusement je connais où est la piste. Là ça va être à fond. Voilà, là c'est là qu'il faut pas que je me loupe. Non, je suis à 39 degrés, c'est peut-être un peu trop. J'en suis sûr et certain qu'on peut passer à fond avec un peu moins de 2 degrés sur la piste. Et on arrive bientôt à la fin. Dernier carrousel, bientôt. Oui. Oui. Bon, il fait mal, hein. Et là, nous sommes à fond. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Wow, c'est un pur kiff, vraiment. C'est un pur kiff. Les pneus qui brûlent. 128 degrés à l'arrière, 127 à gauche. Mais en tout cas, c'est un immense, immense plaisir, vraiment. Cette W12. Je voulais vous la montrer sur le Nurb. C'est la première fois que je le fais. Donc là, on est sur la boucle nord. Nürburgring, Nordschleife. Donc Nordschleife qui veut dire boucle nord en allemand. Et le Nürburgring que vous avez vu. Qu'on va voir juste à gauche avant le dernier virage à droite. Donc c'est bien par là qu'on ira. Et on roulera sur le combiné, donc on ira tout droit ici. Mais là on va à droite pour finir le tour et on va cut juste à la fin. Et on va pas finir le tour. La lose. Je vais quand même le finir en marche arrière. Je sais pas combien j'ai fait du coup. 5-7. 5-7, et j'étais en marche arrière. Et ben j'étais pas si mal au niveau de ma prédiction. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne encore une fois rendez-vous pour les 24 heures de Nürburgring dans Schleife ce week-end sur Twitch. Vous avez le lien bien évidemment en description. Puis moi je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao!